s'il y a une bestiole qu'on ne veut pas voir dans nos maisons, encore moins dans notre cuisine, vous allez me dire, c'est bien des coquerelles. C'est pourtant ce qui a été retrouvé dans la cuisine d'un CHSLD du nord de l'île de Montréal, le CHSLD de Cartierville. Pascal Bélanger est exterminateur chez Axon Extermination. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Bélanger. Bonjour à vous. Expliquez-nous combien de fois vous vous êtes rendu à ce CHSLD et ce que vous y avez vu. La première chose, j'ai commencé il y a environ un an. Donc, j'y allais à toutes les semaines, donc j'étais au minimum 50 fois et plus durant l'année. Et qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Les premières constatations étaient très simples. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de coquerelles qu'on appelle la blatte germanique ou le cafard. Donc, il y en avait beaucoup, beaucoup dans la cuisine, surtout à les endroits où est-ce que les aliments sont transformés ou faits comme des soupes, des choses comme ça. Il y en avait partout, partout. J'en ai noté au moins les premières fois, à ma connaissance, plus de 200, à part des œufs. Par terre, dans les coins, sur les comptoirs, où elles étaient? Regardez, les endroits qu'on avait le plus, c'est où est-ce que des marmites, où est-ce qu'ils font la production des soupes ou des pâtes. À des endroits où j'ai une difficulté d'y aller, passer mes mains en dessous, vu qu'il y a des marmites, et on pouvait juste mettre des pièges collants à des endroits parce que je ne suis pas capable de me rendre au complet. Donc, ces endroits-là, en arrière des fritures, en arrière de où est-ce qu'il y a les frigidaires, où est-ce qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont malheureusement non ramassés depuis plusieurs journées, selon ma connaissance. Donc, c'est ce qui faisait en sorte que les coquerelles étaient attirées par ces endroits-là. Il y avait quoi, de la nourriture collée, là, c'était pas nettoyé, c'est ça? Exactement. À beaucoup d'endroits, des problématiques comme celle-là, c'est que souvent, quand la nourriture n'est pas ramassée immédiatement, et souvent, elle va aller coller en arrière des comptoirs, puis ça reste là des fois une journée, deux journées ou plus, bien, des fois, il va y avoir des vers parce que des fois, il y a du poulet cru, il va y avoir des légumes. Donc, souvent, bien, les coquerelles aiment le gras, le sucre, où est-ce que la friture, où est-ce que des frites, où est-ce qu'ils font tout ce qui est la friture va tomber en arrière ou même en arrière des machines où est-ce que j'installais des pièges et il y avait beaucoup de coquerelles. Et est-ce que cette nourriture-là, à ce moment-là, était jetée de ce que vous avez constaté? Selon ma connaissance, bien, je pense qu'il devrait être nettoyé après en passant un balai, un aspirateur, mais souvent, c'était pas, c'était pas fait dans l'immédiat. Il se prépare une soupe, là. Vous voyez des coquelles près. Oui. Cette soupe-là n'est pas servie, là, de ce que vous avez constaté. Non, c'est ça. C'est comme, il n'y a pas de couvert. Donc, ils font, par exemple, vous dites, c'est des pâtes. Bien, quand ils déversent les pâtes dans des espèces de chaudières, bien, mes coquerelles étaient, bien, les coquerelles que j'ai attrapées, il y en avait partout. Ou est-ce que des fissures alentour de la marmite, ou est-ce que c'était pas fait? Depuis le début, dans les recommandations, le colmatage était quelque chose d'important. Et ça a pris au moins un an avant que ça soit fait. Et c'était pas été fait partout et surtout, ça n'a pas été fait à mon goût depuis le début que je mettais dans les rapports à tous les semaines. OK. Donc, on parle de vaisselle sale, là, quand vous parliez de marmite et tout ça, juste pour nous rassurer. Est-ce que c'est une situation qui est réglée sur place? Semblait difficile d'en venir à bout, là. La dernière fois que j'ai été au mois de février, c'était la première fois que j'attrapais aucune coquerelle dans aucun des pièges pour la première fois parce que c'était la cuisine et au départ aussi le système de chaufferie qui était au sous-sol, qui était désuet. C'était la première fois, donc c'était positif, bon. Mais il faudrait continuer à tous les semaines, selon moi. Est-ce que, toujours selon vous, les coquerelles se sont rendues jusqu'aux chambres des aînés ou elles sont restées au niveau de la cuisine? Selon ma connaissance, j'ai pas eu d'appel d'urgence pour faire dans les chambres. Selon moi, non. Mais j'en ai beaucoup dans les pièges. Donc, vous voyez un petit peu ici, de voir un petit peu, on met des pièges pour montrer aux gens comment les une certaine façon de les attraper. Faut se parler également de ce qui se passe au bloc opératoire de l'hôpital Sacré-Cœur. Quel est le problème là-bas? À ma connaissance, j'ai été une seule fois avec une personne responsable parce qu'il m'avait dit qu'il y avait beaucoup de mouches au bloc opératoire. Donc, on était habillés d'une certaine, avec une chienne et chapeau. Et puis, j'ai été voir un peu partout et il y avait, on appelle ça des pièges lumineux ou des Flylight 911. Il y en avait quelques-uns, mais il en manquait, première chose. Et surtout, les mouches se promènent pendant que les gens se font opérer selon ce que je me suis fait dire. Moi, j'ai vu des mouches se promener dans le bloc opératoire. Et donc là, ça, est-ce que c'est une situation qui est réglée ou ben il y a des ouvertures, des interstices où les mouches peuvent s'infiltrer et c'est ce qui explique la situation? À ma connaissance, on n'a pas eu de comeback, à savoir si c'est nous qui faisons le travail. J'ai jamais eu d'autres nouvelles
J'ai été juste une seule fois. Mais concernant les coquerelles, donc, il y a quand même quelque chose de rassurant à travers ça. Est-ce que, bon, on parle de la situation de ce CHSLD-là en particulier, est-ce que vous vous rendez à d'autres endroits comme ça où il y a des clientèles davantage vulnérables? Oui, il y a plusieurs endroits où est-ce que c'est difficile. Le manque de communication, je vous dirais, dans le public, pour moi, c'est un problème qui est majeur un peu partout. On fait des recommandations, dont le colmatage, réparation des trous, parce qu'à cet endroit-là, j'ai attrapé aussi des souris, parce que des soit des portes sont ouvertes, les dessous de portes sont en caoutchouc, sont abîmés et brisés, et la grosseur d'un petit doigt fait qu'une souris peut passer et rester là à l'année et faire d'autres bébés. Quand même, vraiment toute une situation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir de se reparler. Merci beaucoup et passez une très belle journée. Et en passant, pour moi, c'est important d'en parler parce que présentement, c'est difficile pour les personnes âgées qui sont malheureusement vulnérables et on ne veut pas que ça continue envers les baby-boomers et ça va envers nous. Pour moi, c'est important de bien expliquer la situation pour être certain que ça peut s'arrêter le plus vite possible. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.